Hey les gars, vous savez, j'aurais pu faire ce gameplay sans vous dire, sans savoir que la vidéo n'est pas là, vu que maintenant je comprends. Bon, salut tout le monde, c'est Z et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Xenoverse 2 en compagnie de moi-même. Hey Goku, c'est une fille un peu de voilà quoi, de classe. Mais bon, vu que Goku n'a pas le temps, je n'ai pas le temps. Oh shit les gars, oh shit. Rafale de rabble. Allez, viens maintenant, Videl. Viens maintenant. Mais viens maintenant, mon heureux. Moi, je suis en paix avec la nature. En fait, les gars, j'ai viens de capter que j'ai une technique. En fait, j'ai deux techniques de contre. La fois, je vais enlever le Mega Tenno Goku. Et je vais le mettre quand je vais affronter des adversaires de haut niveau. Je suis sérieux parce que là les gars, le Mega Tenno Goku, il n'y a aucun adversaire qui peut me faire dévoiler sa véritable puissance. Il n'y a aucun adversaire avec qui je peux réellement utiliser le Mega Tenno Goku les gars. Donc c'est mieux que je l'enlève qu'à la plage mono technique. Flash concentré, c'est fou les gars. Flash concentré, je le mets. Allez, viens maintenant, Dabra. Viens maintenant, moi. Quand je mets un flash boost, il n'y a plus personne, hein, bizarrement. Je sais pas. Et le flash boost, c'est peut-être la période des vacances. Hein. Donc là, les gars, je crois que Ranger Zona, je l'enlèverai jamais de ma composition. D'abord, je m'attendais une meilleure performance de sa part, franchement. En fait, ce que j'ai avec Hypercutant, c'est que ça fait surtout beaucoup de dégâts. Après, tu demandes comment t'as recommencé, moi je trouve que ça fait énormément de dégâts. Waouh, du calme! En tout cas, moi j'étais enflammé pendant un moment. Comment j'ai esquivé sa masse par contre. Lui comment il a anticipé mon esquive. Non, en fait je crois que je vais mettre une autre technique à la place de truc. Mais là je concentrais que ce serait plus logique vu que j'ai besoin d'une technique au corps à corps. Peut-être je vais quand même mettre flash concentré vu que Hypercutant c'est une technique au corps à corps, vous savez. Enfin, Orité c'est une technique à distance, mais tu peux très bien utiliser au corps à corps, ça marche bien. Regardez, je vais vous montrer. Non mais quand je dis au corps à corps, c'est genre grave près, genre là. Hypercutant, tu vois. Mais en fait, Ranger Tona c'est déjà une technique au corps à corps. Un contre au corps à corps en fait. Oh les gars, 20 médailles pété maras. Toujours avec classe. Dabra, regarde, il est die. Eh les gars, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse des vidéos build. Et plus précisément des vidéos build sur les personnages des extra packs. Parce que par exemple, vous voulez que je fasse, je peux très facilement faire une vidéo build sur Giranto. Je peux très facilement faire une vidéo build
sur, je vais pas dire facilement sur Goku Ultra Instinct, mais il y a plus difficile. Je peux facilement faire une vidéo build sur Tapion, c'est juste la tenue le problème. Je pourrais très bien faire une vidéo build sur Android C13, sur plein. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et prochaine la Z-Chip. Salut.